Je ne travaille plus que la nuit. Le jour, je dors et j'évite les autres. Ils ne représentent dorénavant que des interférences dans ma cadre de compréhension du cerveau. L'ordinateur. Quel puissant allié dans cette quête. Et quel puissant modèle. Depuis la conférence Massy en 1954, tout le monde s'accorde sur la métaphore cognitiviste. Le cerveau manipule des symboles stockés dans le substrat neuronal, tout comme l'ordinateur manipule des 0 et des 1. L'articulation de ces symboles représente le monde. La perception façonne hiérarchiquement cette structure symbolique au cours du temps. L'action n'est que le résultat d'un calcul interne permettant d'opérer sur le monde extérieur. Mais comment le cerveau humain parvient-il à se représenter les autres? Cette question m'obsède. Comment peut-on, avec son propre cerveau, être capable de se représenter autrui et d'interagir avec? J'y suis presque. Mes modèles semblent coller à ce que j'ai pu enregistrer, mais il y a un problème. Malgré la complexité des équations et la puissance des ordinateurs du laboratoire, toutes mes simulations de cerveau échouent à représenter le cerveau d'une autre personne. Pourquoi? Je finirai bien par le savoir. Reprise de calcul, modification des hypothèses, localisation d'activité, résultat d'imagerie cérébrale, il n'y a pas une zone particulière qui ressort du lot. L'activité semble distribuée, diluée. On en revient au connexionnisme des années 70. Le cerveau est en fait plus comme Internet. Un réseau, 100 milliards de neurones interconnectés massivement, 10 000 connexions en moyenne par neurone, ce n'est pas possible. Tout communique avec tout. Comment cela peut-il fonctionner? L'interaction massive ne peut que créer le chaos. Simultanément. C'est ça la solution. Et sinon, je t'appelle comment? Léna. L'interaction sociale nous façonne. Chaque échange est l'occasion de dépasser notre individualité. Il est possible d'aborder l'interaction sociale de cette manière, en enregistrant simultanément l'activité cérébrale de deux personnes. Cela permet d'analyser comment les ondes électriques à la surface de leur crâne retranscrivent cette interdépendance. Par exemple, des synchronisations peuvent être mesurées entre les deux cerveaux. Ceci n'a rien de magique. Elles ne font que retranscrire ce flux continuel d'informations entre les deux personnes. Ce flux crée une résonance via leur action et leur perception. Les personnes forment alors un seul système cohérent. L'information n'est plus séparée, elle est partagée. Nous sommes plus liés que nous le croyons.